Bon bah là on est au Pin, un village de 150 habitants dans le Tarn-et-Garonne. J'ai écrit un texte, La tragédie du Belge, et j'ai décidé d'en faire une pièce de théâtre musical. J'ai demandé à Isabelle Antoine de m'aider pour la mise en scène. Je sais pas si vous connaissez Isabelle Antoine, mais c'est vraiment une fille super. J'ai aussi demandé à Camille de faire la direction musicale du chœur, parce que dans cette pièce, il y a un chœur. À la fin, on a donné une petite représentation et on était vraiment contents parce qu'on a eu beaucoup de monde. Après 10 ans de vie commune, le Belge aime encore sa femme, Thérésac, et inversement. Mais Thérésac lui broie les couilles. Elles en sont devenues bleues lagunes. Thérésac, essayez de... Je suis en train d'essayer de mettre... J'ai quelque chose... Thérésac, c'est compliqué. Thérésac, écoute... Thérésac, ma personne est conviée rue de Valois, en terre de France. Mon ami, mon cul! Thérésac, enfin, Thérésac, c'est une opportunité énorme. Permission accordée pour 24 heures, rompez! Le Belge! Quant à lui, est toujours ventre à terre, couille relax, la bouche étalée comme une grosse flaque, avec la texture d'une peau de poulet avant cuisson. Qui êtes-vous, ventre à terre? Je suis le Belge. Qui êtes-vous, debout? Je suis un gars. Ce cocktail en terre de France. Très instructif. Poursuivez. Particulièrement instructif. Foutaise. Regardez-moi dans les yeux. Dans les yeux, ai-je dit. Ça n'a ni queue ni tête, on ne comprend pas dans quel sens ça se met, ça se tient. Ça ne se tient pas d'ailleurs. On ne comprend pas cette histoire. Pourtant les choses sont claires. Voilà, je sors avec un homme marié. Alors, ça c'est... compliqué. Compliqué à gérer.